chercher, elle vient, parfait. D'accord? Je vais la chercher, elle vient. Je commence à faire de l'aïkido, en ligne. Katate Dori, je t'ai dit. Oh ouais, bah, tu me dis, ouais, bah, tu peux dire ce que tu veux, je m'en fous complètement. Ok? Ah, pour les projections, je travaille, j'exploite le déséquilibre. Pour les immobilisations, je travaille sur la récupération de l'équilibre. Alors, quand je vois vos têtes, je suis inquiet. C'est pas grave ce que je vous dis. D'accord? Donc là, en fait, quand il va être sur un pied, vous voyez, pendant qu'il va se relever, à ce moment-là, là, on fait du voisin. Et après, il y a les applications. D'accord? Il y a les applications. Les applications. Ok? Il attaque la catégorie. Hop, je passe à chômage. Par exemple. Ok? Il attaque la catégorie. Hop, je contrôle ici. Hop, je viens ici. Et tout ça, c'est des applications. D'accord? Ça marche? Mais pour faire des bons waza, il faut avoir un bon kata. Et pour faire des belles applications, il faut avoir un bon kata et un bon waza. Donc on fait ça comme ça. Kata Tedoli, tranquille. Je viens glisser ici. J'avance. Et je suis bien là. Aïe! Allez, c'est parti, change de partenaire. Il ne bougera pas. Donc, il va me faire tourner. Et je vais prendre son problème. Au moment où il va commencer à reculer cette jambe, à ce moment-là. Là, je vais laisser ça à la base. Hein. Parfait. Ça, c'est parfait. Vous voyez, la base, c'est toujours celui qui fait la technique qui bouge le plus. Avec modération, d'accord, et surtout pas faire ça dans un passage de grade, d'accord. Donc on est placé ici pour l'instant tranquille et vous vous arrêtez en haut. On s'arrête, il descend, fais ton chômage, hein. Et moi je sors et je viens ici. Ensuite on se repositionne, on est placé, d'accord. 1 et on sort, ça marche. Aïe, allez, c'est parti. Ouais, c'est pas mal. Je vais préparer ma sortie. Vous voyez, je vais ouvrir et je prépare ma sortie. C'est-à-dire que je mets le pied ici, je n'ai pas bougé, je suis toujours sur la même ligne. Et dans cette forme-là, quand elle descend, je passe par-dessous, je viens ici et je termine. Je prépare ma sortie, je continue ici et je viens en chaud. Donc je prépare ma sortie et comme. Non, pour l'instant c'est là. Et moi je vais venir attaquer sa jambe un petit peu pour les grader. Hein. Je vais attaquer un petit peu sa jambe, donc il est obligé de reculer. Ça me laisse un temps et on va revenir tranquillement ici. C'est ça l'intérêt du mouvement, sinon. Ok, donc je suis ici, tu vas là-bas. Voilà, ok. Elle revient, Ushiro Waza, et on fait ça ou autre chose, ça m'est égal. Ici, voilà, je m'appuie sur la jambe avant, et maintenant, je le fais bouger. Alors bien sûr que c'est le maximum, mais encore. Voilà, il va retirer son bras, c'est normal. Ok, il n'est pas ok, il ne subit pas.
Ok, donc moi, il a l'impression que je contrôle son bras. Hein. Je suis ici, et vous voyez, je pose ici, et c'est lui qui glisse. Il est là tout le temps, il ne peut pas retirer sa main. Et je me retrouve en catatégorie. Et à partir de là, bien sûr, vous allez partir arrêter, vous êtes obligé. Voilà, hein. Vous allez faire ça, passer dessous, reculer la jambe, changer, et Uchi qui a été nagué. Départ arrêté, pas plus vite que ça. D'accord ? Ça fait bouger, j'arrive ici. Kokyu nage, ok ? Je la fais bouger, je la fais bouger, je m'éloigne un peu, elle vient, Kokyu nage. Ok, après je me retourne, j'amène Céline ici. Non, mais d'abord...